J'aimerais vous présenter Maria Luisa, que je connais depuis quelques années, qui est magnifique et qui fait de l'Ashtanga Yoga depuis combien d'années déjà, Maria ? 30 ans. Ok, 30 ans. Voilà, j'aimerais. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que tu proposes là ? Alors, je fais du yoga, il fait exactement 35 ans. J'ai commencé comme beaucoup d'enseignants en Amérique du Sud par le Hatha Yoga, mais j'ai eu vraiment la grâce de rencontrer Indra Devi, qui était la seule femme disciple occidentale, on va dire, de Krishnamacharya, et qui s'est venue s'installer en 1989 en Argentine. Donc j'ai suivi son enseignement de nombreuses années. Et puis elle était très amie de Deshikasha, qui venait très fréquemment en Argentine. Donc je me suis formée aussi avec lui à tout ce qui est l'aspect thérapeutique du yoga. Elle m'a toujours fascinée et c'est la raison pour laquelle je commençais à faire du yoga. Car j'avais de l'asthme quand j'étais adolescente. Je viens d'une famille d'asthmatiques. Donc mon frère, il faisait des grosses crises. Et donc ça m'effrayait de voir comment est-ce qu'il tombait raide comme ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et cette solution est venue grâce à un ami, Ruben, en Argentine, qui m'a appris le yoga. Et je me suis soignée. Au bout de 2 ans, cet asthme avait disparu complètement de ma vie. Et c'est pour ça que je m'intéresse à l'aspect thérapeutique du yoga. Donc, je fais tout ce qui est le vinyasa krama, c'est-à-dire l'approche plus ayurvédique dans la pratique du yoga. Ce sont des séquences ciblées selon les dessins. Et justement, par le biais de cet intérêt, je me suis formée plus tard avec Dina Rodriguez, qui est une Brésilienne, qui a développé plusieurs séquences de yoga pour les hormones, pour les traitements, tous les symptômes de la ménopause, tous les déséquilibres d'hormones chez la femme, chez l'homme, et pour le diabète également. Et je suis également formée à l'Institut de Yoga Thérapie, à la faculté de médecine Paris-Diderot, avec Lionel Coudron. Donc voilà, c'est mon grand axe, c'est la yoga thérapie. Où est-ce que tu proposes tes cours et tes formations? Alors, j'enseigne auprès de l'AYAMA et son agence bien-être à Bourg-Bélair. J'enseigne également à Roussé, au golf Sainte-Victoire, où je développe mes activités et mes cours hebdomadaires de yoga. Ok, je mettrai, tu sais, le lien vers ton site sur la petite vidéo. Merci, voilà, merci Maria, moi j'ai hâte de faire un cours avec toi. Merci. Bisous. Bisous.